Il est tout à fait possible de réopérer si la vision change plusieurs années, voire même plusieurs décennies, après avoir été opéré de chirurgie réfractive. Ayant commencé la chirurgie réfractive dans les années 90, j'opère aujourd'hui des patients que j'ai opérés il y a 10-15 ans et qui ont, soit sont devenus presbytes, soit qui ont une amétropie qui a évolué, une myopie qui, a un petit peu augmenté, un astigmatisme qui s'est décompensé. Et ça, si les conditions anatomiques le permettent, bien évidemment, c'est-à-dire qu'on refera tout le bilan avec l'analyse de la morphologie de la cornée et surtout de la forme et de l'épaisseur, il est possible de réopérer. Et il est possible de réopérer soit par la même technique, soit en changeant de technique. Des patients qui ont été opérés il y a 20 ans de chirurgie en PKR peuvent avoir aujourd'hui un LASIK. Et inversement, on pourra faire éventuellement une PKR si la cornée est trop fine. On pourra faire une PKR sur un LASIK ou un SMILE en prenant un certain nombre de précautions. Mais on peut réopérer plusieurs années après le premier geste. On peut réintervenir et refaire à nouveau un geste chirurgical au laser.